Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au pastoureau. Ave, ave, ave Maria, ave. Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, ave, ave Maria, ave. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois d'août et dans toute l'Église catholique, nous fêtons Saint-Dominique, qui était le fondateur des Dominicains. Frères et sœurs, tout à l'heure, vous verrez, durant la communion, deux jeunes hommes. Ils sont là, deux séminaristes qui vont m'aider à donner la Sainte Communion. Eh bien, prions, prions pour que leur vocation aboutisse, pour qu'un jour ils soient de saints prêtres. Et pour cela, nous les confions à Notre-Dame de Fatima et à Saint-Dominique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, que ton Église trouve un secours dans les mérites et les enseignements de Saint Dominique, qu'il intercède pour nous avec toute sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple.
ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Parole du Seigneur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Alléluia, 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 alléluia. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous avez vu le même Saint-Pierre. En quelques minutes, il dit une parole la plus élevée qui soit. Quand Jésus avait dit « Pour vous, qui suis-je ? » Il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La plus grande des vérités. Et après, quelques secondes après, lorsque Jésus annonce qu'il va aller lui-même à Jérusalem pour être crucifié et que Saint-Pierre lui dit « Non, 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 on n'y va pas, cela ne t'arrivera pas. » Jésus lui dit « Passe derrière moi, Satan !» D'un côté, il est inspiré par Dieu et après, il est inspiré par le diable. Eh bien, chers amis, comment nous préserver de ce piège ? Eh bien, nous fêtons Saint-Dominique. Et Saint-Dominique, à force de lire les saints évangiles, avait appris presque par cœur l'évangile de Saint-Matthieu. Vous aurez peut-être du mal à apprendre par cœur l'évangile. Mais voilà le conseil que Saint-Dominique pourrait vous donner. Chaque jour, ouvre un des évangiles. Le matin, lis un passage. Et garde dans ton cœur la petite phrase qui te touche au plus profond. C'est Dieu qui t'a parlé. Et à ce moment-là, durant la journée, tu y penses encore et encore et encore. Et dès qu'il y a des pensées qui viennent un peu trop de toi-même, reviens à cette parole que tu as lue le matin. Je n'oublierai jamais la première fois que j'avais lu dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus qui dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. » J'y ai pensé tout au long du jour. Et voyez, à ce moment-là, ce sont des pensées divines que vous avez en vous et non pas des pensées humaines. Et votre journée est sainte parce que vous vous mettez sous l'influence des paroles du Seigneur et non pas sous l'influence des paroles de ce monde. Essayez, chers amis, de prendre une parole le matin et régulièrement d'y revenir. Comme par exemple, « Heureux es-tu, Simon ?» Tu peux mettre ton prénom à la place. Le Seigneur te dit « Heureux es-tu ?» Et alors, lorsque des mauvaises nouvelles viennent, tu peux te dire « Oui, c'est vrai, ces nouvelles sont difficiles, mais ce matin, le Seigneur m'a dit « Heureux es-tu ?» C'est plus important
que tout le reste, parce que je fais plus confiance à la parole de Jésus qu'à toutes les autres paroles. Alors vas-y, mon frère, ma sœur, va dans cette direction et tu verras que les paroles de Jésus qui t'influencent seront tellement fortes qu'elles te guideront à chaque moment du jour. Amen. Levons-nous, frères et sœurs. Nous te confions, Seigneur, tous les fils spirituels de Saint Dominique, les dominicains, qui continuent à prêcher comme Saint Dominique le faisait. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute la prière. Ô écoute la prière. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent leur vocation, qui veulent entendre ton appel, que des signes leur soient donnés pour qu'ils puissent te dire « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Nous te prions, Seigneur, par l'intercession de Saint Dominique, pour tous les pèlerins qui sont aujourd'hui à Fatima, qu'ils puissent entendre la parole de leur ange gardien qui les guide vers le ciel. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute la prière. Dieu éternel et tout-puissant, daigne nous exaucer, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. La messe aujourd'hui est offerte pour Robert Weiss et les défunts des familles Weiss-Müller, pour les défunts des familles Strasser, Graff et Rigert, ainsi que pour les défunts des familles Schmidt-Meyer, entre autres Robert et Anna. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Écoute avec bonté, Seigneur, les prières que nous te présentons. Par l'intercession de Saint Dominique,
que la puissance de cette Eucharistie protège et encourage ceux qui luttent pour la foi par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta grâce et notre salut. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te louons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Et tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés, la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout.
pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque José, tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier de Robert Weiss et des défunts des familles Weiss-Müller, les défunts des familles Strasser, Graf et Rigert. Accueille en ton éternité les défunts des familles Schmidt-Meyer, en particulier Robert et Anna. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon ses saintes paroles, nous pouvons prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons la réalisation de cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous fêtons Saint-Dominique, tu nous as nourris de ton Eucharistie. Fais que ton Église ardente à te servir en reçoive tous les fruits et qu'elle soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à la prière de la Vierge, Dieu Tout-Puissant vous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Des saints et des anges, le